Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc en ce jour de Saint-Valentin, j'ai pensé faire une vidéo sur l'amour, où beaucoup de gens se trompent, etc. Ceux qui voudront bien avancer dans la vie écouteront mes quelques conseils que j'ai à faire, que je vais énumérer, mais qui n'ont pas du tout été préparés. Parce qu'en fait de compte, qu'est-ce que c'est l'amour de l'autre et de soi? C'est d'abord de s'aimer soi-même. L'amour est uniquement avec soi. Voilà. Et seulement après avec l'autre. C'est toujours dans ce sens. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc vous voyez, c'est toujours intérieur-extérieur. Donc il y a des fondements dans l'univers qui sont importants et qu'il faut comprendre, se réveiller et sortir en fait de tout ce qui ne nous correspond plus, etc. Mais bien sûr, il va falloir apprendre à parler pour communiquer. Alors moi, je fais, depuis 30 ans maintenant, je fais ce métier-là. Je suis beaucoup expérimenté et en plus depuis que je suis arrivé en conscience, en pleine conscience, en fait je perçois tout. Ma médiumnité m'aide en fait dans toutes mes thérapies et quand je vois des personnes ou des couples qui viennent me voir, en fait j'arrive à diagnostiquer où est le problème et pourquoi ceci et cela. Alors, l'amour depuis l'origine des temps, c'est le partage avec l'autre. Et je dis bien partage. Partage à 80% des moments d'échange. Et souvent, on a tendance à se planter puisqu'on veut un amour pour combler quelque chose. Mais un amour n'est jamais pour combler quelque chose. Ça, c'est dans la pensée raccourcie de l'être humain, dans son côté cartésien de possession. On l'a vu dans nos religions, dans nos sociétés, etc., à travers le monde, on doit prouver l'amour par le mariage. En grande majorité, c'est comme ça. Mais sauf que c'est une chose encore erronée, c'est un conditionnement, etc., parce qu'en fait, en fin de compte, l'amour n'est pas ça. L'amour, c'est vivre au quotidien avec soi, mais aussi avec quelqu'un, quand on a décidé de créer une famille, un partage, etc. Mais c'est apprendre à accepter l'autre avec ses côtés positifs et ses côtés sombres. Voilà. Sinon, ça sert à rien de se mettre avec quelqu'un. Le partage, c'est aussi l'amour, c'est aussi changer avec l'autre. C'est comprendre de ses erreurs du passé, de nos conditionnements du passé, et c'est remettre à zéro, je dis bien à zéro, toute son éducation, ses conditionnements par rapport à nos croyances familiales, sociétaire, éducative et autres. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est la parole des autres, mais c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut pour être heureux, c'est notre cœur qui va le dire. Souvent, les gens disent, c'est pas moi le problème, c'est là. Pourquoi je suis avec un mari? Pourquoi je suis toujours avec le même type d'homme ou de femmes? Pourquoi je les attire toujours, des alcooliques, des radins, des ceci, des cela? Pourquoi? Sans pouvoir se remettre en question. Ces gens-là ne sont pas capables parce que c'est toujours l'autre le problème. Quand vous arrivez déjà dans les prises de conscience qui est le début de l'éveil spirituel, et je dis bien le début de l'éveil spirituel, là où on retrouve l'ego spirituel, je sais mieux que toi, tu es moins bon que moi. Là, ça, voilà. Là, ça commence à créer le bazar. Parce que, en fait, de compte, quand on croit avoir raison, c'est déjà là le problème. Et c'est le même problème dans la relation de couple. Souvent, les gens qui sont dans l'éveil spirituel croient avoir raison. Je dis bien dans l'éveil, dans le début de l'éveil, croient avoir raison. On commence à avoir raison seulement quand on est en conscience, en pleine conscience. On commence à le voir, etc. Et à le ressentir avec le cœur. Et après, il y a la médiumnité qui est là pour te dire. C'est certainement pas des peurs qui vont te dire. Par exemple, telle personne fait ça sur ton mur Facebook et ça tombe, il va se passer ça. Donc là, c'est une projection dans le futur. Et ça, c'est quoi le futur, la projection du futur? C'est une peur. C'est une dépendance affective. C'est d'avoir besoin de quelqu'un pour combler un manque. Mais ça, on commence à le comprendre quand on est vraiment dans le plein éveil, dans la conscience, dans la pleine conscience. Mais sûrement pas dans le début de l'éveil, disons sûrement pas dans le début de l'éveil spirituel. Voilà. Donc l'amour. C'est l'amour inconditionnel. C'est ça la vraie. C'est pas utopique l'amour inconditionnel. C'est utopique pour les gens qui sont cartésiens ou qui sont dans le début de l'éveil spirituel.
Hein, pourquoi je rencontre toujours des mecs, des hommes qui vont me tromper ou des femmes qui vont me tromper? Il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de hasard. Tu attires tes peurs au moment présent parce que tu n'as pas assez travaillé sur soi, sur toi. Mais tu peux donner des conseils à ces gens-là, ils ne vont pas les mettre en pratique parce qu'ils ne sont pas prêts à les réaliser. Et ce n'est pas eux le problème à ce moment-là, c'est toujours l'autre. Et là, boum, encore une balle dans le pied qui se met. Donc, ce qu'il faut, c'est s'aimer soi-même, etc. Et donc, si votre partenaire, votre conjoint, etc., ne veut pas changer, parce que c'est les deux qui doivent changer par des prises de conscience et remises en question au quotidien, on ne peut rien faire. Hein. Arrivé à un moment donné, vous serez à même à vous séparer de lui, de passer par une période de célibat et plus tard de commencer à retrouver d'autres partenaires, mais sûrement pas de vous mettre en opposition en disant tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. C'est faux. Tous les hommes et toutes les femmes sont comme ça parce qu'elles sont en liaison avec vos blessures intérieures et uniquement ceci et uniquement cela. Donc voilà. Donc, il y avait une nonne tibétaine que vous retrouverez sur YouTube qui parlait de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour, de la dépendance? Je ne sais plus le titre de la vidéo, je l'avais partagé, mais ça, vous tapez nonne ou moine tibétain amour, et vous aurez, avec ces deux mots-clés de recherche, vous tomberez sur cette vidéo qui disait, et moi, je l'ai vraiment incorporé dans ma vie, et depuis un certain temps, depuis longtemps, tu m'aimes avec moi, c'est bien. Et tu m'aimes sans moi, c'est aussi très bien. C'est ce qu'on appelle le détachement. Alors l'amour inconditionnel, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est avec moi, c'est génial. Je suis amoureux de toi, c'est génial. Je veux partager ça avec toi, c'est génial. Mais si tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que je peux faire? Ou si tu veux plus être avec moi parce que il y a ceci ou cela, qu'est-ce que je peux y faire aussi? Je ne peux pas te forcer à m'aimer. Et c'est ça vraiment le vrai amour. C'est aimer que l'autre se réalise avec moi ou sans moi. Et ça, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel existe réellement quand on est vraiment arrivé dans la pleine conscience, etc. Alors, il y a des gens comme moi qui vont vous l'enseigner. Vous savez que je fais des thérapies à travers le monde, etc., aussi bien à distance que dans les différents pays, et aussi des conférences. Et c'est pour ça que les gens, ils adorent venir à mes conférences. C'est parce que, en fait, c'est une conférence libre, mais après, c'est aller. Il y a plein de questions, donc c'est une forme de thérapie, mais devant tout le monde, etc., par rapport à des choses qu'on n'a pas compris, des choses dans lesquelles on va bloquer, mais qu'on ne va pas comprendre. Quand on est au stade, je dirais primitif, excusez-moi du mot, cartésien ou début de l'éveil, on va dire, mais non, mais c'est pas moi le problème, c'est lui le problème, ou regarde ce qu'il fait de mal, etc. Mais parce qu'on a été copié ou on a écouté ce que l'autre disait, mais c'est complètement faux. C'est pas parce que ton supérieur est supérieur hiérarchique qu'il aime bien, et qu'il est dans une neutralité, par exemple, ça on le retrouve dans le travail, qu'il a forcément raison, qu'il a bien perçu, et que c'est la vérité. Ce n'est que parfois, en fait, souvent, dans le milieu du travail, les ragots sont déformés jusqu'à leur paroxysme. Donc voilà. Et après, on ne comprend pas pourquoi on attire la merde dans sa vie, excusez-moi du mot, le négatif. Parce qu'à ce moment-là, on se met dans une position vibratoire, c'est un égrégore, en fait, hein. On attire à soi ce que l'on pense, etc. Alors même moi, je continue à travailler sur moi en permanence, etc., de ce que les uns et les autres peuvent dire sur moi, parce que vous savez, moi, je ne suis pas à l'abri non plus d'attaques sur Internet, etc., parce que j'ai mis ceci, j'ai mis que j'étais affilié à cela, et que ce que la personne ressent, moi, je ne la ressens pas forcément. Alors il y a des gens qui sont encore dans l'ego spirituel, qui se disent médium, etc. Mais il faut savoir que même dans la médiumnité, vous n'avez pas toujours une vérité absolue. La médiumnité, c'est bien, il faut s'en servir. Absolument, il faut s'en servir. Moi, je crois à ma médiumnité. Il faut s'en servir, etc. Mais il faut aussi voir par ses yeux à soi et voir ce qu'on avait raison. Moi, on m'a déjà prévenu de plein de choses qui allaient se passer et ça ne m'a pas empêché de continuer de côtoyer ces gens-là, etc., pour les aider vraiment au paroxysme. Jusqu'à la finalité, et après arrive un moment donné, quand ben, ça sera la fin, mes guides spirituels qui m'accompagnent au quotidien m'aideront à transcender et aller vers d'autres opportunités ou vers d'autres choses qui vont me faire continuer. Parce que moi, ma mission de vie, vous le savez très bien depuis un certain temps, c'est d'aider les gens tout en m'aidant moi-même. C'est toujours intérieur-extérieur.
Mais ça, il faut vraiment être averti pour le comprendre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo l'autre jour qui me paraissait hyper important de le comprendre, parce qu'il y a même des thérapeutes qui ne comprennent pas ce que c'est réellement un empathe. On part, le principe de l'être humain et de son problème, c'est de vouloir toujours se protéger. Mais ce n'est pas bon non plus. Pourquoi? Parce que, en fait, l'amour n'est pas qu'une protection, et voilà, et pas non plus une projection dans le passé ni dans le futur. Pourquoi? Parce que si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Et vu que vous n'êtes pas tous des médiums et vous ne pouvez pas prédire l'avenir de ce qui va arriver, etc., il faut bien essayer. Et même les médiums, parfois, essayent, etc., et essayent la plupart du temps parce qu'ils ont besoin de se nourrir, de voir que. C'est pour ça qu'on dit parfois le médium a du mal à voir pour lui, etc. Moi, je n'ai pas du mal à voir pour moi. Ceux qui ont du mal, comme les magnétiseurs ou d'autres guérisseurs, qui disent bah, on sait très bien, voilà encore un conditionnement, on sait très bien que le guérisseur ne peut pas se guérir lui-même. C'est faux, c'est faux. Tu t'es créé encore une limitation et tu es un bébé guérisseur ou un bébé médium. Voilà. Donc parfois, tu peux te faire aider. Moi, quand j'ai des trucs, il y a des perceptions, je vois des choses dans ma vie personnelle qui vont arriver, etc. Je demande à des élèves que j'ai formés à moi, qui sont devenus des amis, parce que j'ai des élèves, et c'est souvent comme ça, mes élèves souvent deviennent mes amis, ceux qui travaillent vraiment sur eux. Et vu que leur canal a été ouvert par moi, et donc je sais que je peux leur faire confiance, et puisque je vérifie régulièrement avec eux, dans un travail pas quotidien, mais régulier, eh ben, je sais très bien qu'est-ce qu'ils vont percevoir. Et donc de ce fait, je fais une synthèse de toutes les demandes que j'ai faites, etc. Et donc je sais que ma perception est bonne. Voilà, donc c'est vrai que parfois, bon, on a tendance à voir le bon côté ou voir le mauvais côté dans sa vie pour se réconforter. Et c'est aussi ça, l'amour. On le voit aussi dans l'amour, parce que l'amour, c'est aussi les côtés sombres, mais c'est aussi les côtés brillants. Donc voilà, donc il faut trouver son point d'équilibre, et le point d'équilibre, c'est l'amour inconditionnel. On y arrive, on peut y arriver. Avec la résonance de Schumann, on va y arriver de plus en plus, etc., vers un univers, je dirais, parfait, entre guillemets. Voilà, imparfait parce qu'on est encore humain, on est déshumanisé encore. Alors, tous les gens qui s'éveillent deviennent de plus en plus humains, ils sont fraternels. Je l'ai vu l'autre jour, parce que moi je suis thérapeute depuis un certain temps. Voilà, je crache pas sur les autres thérapies, je reste ouvert, je discute, etc. Et là, par exemple, bah, il y a une dame qui fait de la lyo-verdique sur Angers qui m'a dit bah, Laurent, ça serait bien qu'on se voit dans mon centre, tu peux monter ce que tu veux, comme conférence et comme stage. Et puis voilà, et après, ça sera un échange, elle viendra ici ou on fera ça ailleurs, mais voilà. Parce que le but, c'est d'aider les gens, et après, les gens, ils trouvent la thérapie qui leur convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure thérapie. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut, c'est avoir plusieurs ficelles à son arc pour avancer, et voilà, et voir avec les personnes qui sont dans cet amour inconditionnel. Parce que les gens comme moi, par exemple, il n'y a pas de compétition avec personne, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétention d'informations, c'est toujours libre, c'est pour ça que je fais autant de vidéos. Etc. Et c'est ce qu'on retrouve dans mes conférences. Il y a un libre échange avec les gens dans la salle qui sont venus voir. Et ils le comprennent par rapport à leur vie, à leurs problèmes, etc. Et ça devient toujours tout de suite plus clair, hein. Donc voilà, il y a des gens qui me téléphonent de partout, du monde entier, qui me disent, mais j'ai enfin compris pourquoi je bloquais dans ma vie. Voilà, parce qu'en fait, quand on est dans la conscience, en fait, on est un lecteur optique, et c'est comme si vous étiez des codes-barres. Hein, en fait, on lit tout, et donc on sait pourquoi ça bloque à l'instant présent, etc. Il faut savoir dans une vie de couple que les relations sexuelles sont hyper importantes. Hein, elles sont pas la base de tout, parce que sinon, ça serait pas l'amour, ça serait que baiser. Excusez-moi du mot. Il faut de l'amour, du partage, etc. Mais il faut aussi d'une sexualité avec l'autre. Pour avancer. Voilà. Quand on n'en a pas, eh ben, il y a une frustration qui se crée, ou il y a un report vers une autre personne, ce qu'on appelle l'infidélité, qui n'en est pas, parce qu'en fait de compte, on se dit, on parle d'infidélité quand il y a possession, c'est-à-dire que c'est ma femme, c'est mon mari. Et vu que personne à la base, en tant qu'être divin, n'appartient à personne, c'est pas ta femme et c'est pas ton mari, tout était prêté. Voilà, donc, alors je sais que c'est une conception qui peut aller très loin, etc. Mais par rapport à tout ça, il n'y a pas de jalousie qui peut se créer. Voilà.
Et quand on se décide de se mettre avec madame ou monsieur, on dit voilà, moi je veux telle coupe de couple, je veux tel couple, hein, je veux un couple fidèle ou un autre couple, etc., qu'on connaît tous dans notre société, et on s'y attelle. Et si on n'est pas capable d'être dans ce couple-là, ben, il faut en discuter avec son conjoint, dire voilà, ben, moi je préférais ça parce que sinon ça crée ceci et cela. Il faut toujours se mettre en accord par les paroles. La plupart du temps, vous ne savez pas dialoguer. Hier, je l'ai vu encore avec une de mes clientes qui est sur Paris, et elle me disait, ah oui, mais Laurent, tu as raison, à chaque fois tu me boostes quand je vais prendre rendez-vous avec toi par webcam, etc., par photo aussi, parce qu'à chaque fois tu me redonnes en fait, l'envie d'avancer, de me propulser, etc. Parce que j'ai envie de ceci et de cela. Parce qu'en fait, tu sais toujours trouver les mots justes. Mais oui, parce qu'en fait, tous mes mots que je donne sont donnés avec mon cœur, et donc pour aider les gens. Et donc, je sais, je trouve toujours la solution. Ceux qui ne veulent pas avancer vont aussi trouver la solution de ne pas avancer et dire, c'est toujours l'autre le problème, c'est jamais moi. Je suis une pauvre victime. Les hommes ne me comprennent pas, ou les femmes ne me comprennent pas. Donc voilà, on est dans un... En fait, dans le monde dans lequel nous vivons, en fait... C'est une forme de pièce de théâtre, de jeu de rôle, sauf qu'on n'en a pas conscience. On a l'impression que c'est vrai, en fait, hein. La vie, elle est vraie, mais toutes les rencontres qu'on fait sont là pour nous faire avancer et nous faire transcender vers l'avant et nous faire comprendre pour évoluer en conscience et à arriver à atteindre, en fait, l'illumination, le Dieu intérieur et extérieur qu'on cherche tant, mais qu'on ne trouve pas, puisque le Dieu, c'est la nature. C'est des énergies divines qui sont là. L'énergie du Christ, moi, je l'ai canalisée dans des médiumnités, et je peux vous dire que ça existe réellement, dans des lieux, parce qu'on ne peut pas la canaliser non plus partout, du moins je pense. En fait, il faut vraiment être dans une réceptivité, et il faut vraiment que le lieu soit une énergie pure, donc nettoyée, etc., très régulièrement. Et ça existe. Donc, si on vous dit qu'il y a une énergie christique là, et que telle personne a fait ceci, c'est pas concevable, puisque c'est deux énergies qui s'opposent. Donc voilà. Donc, parenthèse fermée. Mais voilà, donc ce qu'il faut, c'est penser à vous, faire des choses pour vous, et faire des choses aussi avec votre conjoint et votre conjointe. Et ben voilà, donc parfois il y a des dates, mais en fait l'amour n'est pas relié à une date de la Saint-Valentin, par exemple. L'amour, c'est au quotidien, c'est des échanges, des partages, de l'entraide, etc. C'est uniquement ça. Et s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'amour, c'est une dépendance affective. Et quand il y a des manques, elle me manque, oui, il me manque, etc., ben c'est encore de la dépendance, c'est pas de l'amour. Les gens, la plupart du temps, pensent être dans l'amour, mais en fait, ils ne sont pas dans l'amour. Parce qu'un amour, il n'y a pas de destruction. Et il n'y a pas de blessure. Voilà. Donc, puisque les blessures, les gens qui sont vraiment dans la pleine conscience se les ont guéris, etc. Et ils veulent de telles situations, mais ils ne veulent pas d'une autre relation, par exemple conflictuelle, etc. Tu m'acceptes tel que je suis ou tu m'acceptes pas du tout. Et si tu m'acceptes pas comme je suis, notre relation n'a rien à faire ensemble. Donc, autant se séparer et être célibataire. Mais aussi la contrepartie d'être toujours célibataire pour ne pas souffrir n'est pas non plus la solution. Comme souvent certains disent avec l'adage, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est faux. Puisque c'est des gens qui refusent de travailler sur eux, et à ce moment-là, ils se disent, c'est pas moi le problème, c'est lui ou c'est elle. Et c'est faux aussi. Mais ça, ces gens-là ne veulent pas l'entendre. Ne veulent pas l'entendre. Et ils vont préférer regarder les côtés sombres des gens en disant, je le savais que ça allait arriver. Ah, je le savais. Ou cette personne, elle est vraiment noire, elle est vraiment sombre, etc. Voilà. Donc, c'est des gens qui seront immatures complètement, c'est-à-dire non réalisés dans cette facette d'âme-là, et ils préféreront regarder que les côtés sombres des personnes pour dire, moi, j'ai raison. L'ego spirituel, c'est l'ego spirituel, ça. Donc voilà. Parce que quelqu'un qui sera en pleine conscience dira, mais moi, j'en ai rien à foutre d'avoir raison. Tu vas avoir raison. Très bien, je te laisse avoir raison. Même dans une relation avec sa femme ou avec son homme, il te dira, mais je vais m'expliquer, je vais te dire les mots, tu as perçu, pour moi c'était erroné, je ne l'ai pas vu comme ça, etc. Voilà, tu m'entends, c'est bien, tu m'entends pas, bah tant pis. Mais moi je t'ai dit la vérité, ma vérité. Ce que tu es en train de me dire là, c'est des projections de tes peurs. Voilà. Et c'est des gens qui sont alignés, qui leurs paroles
et leurs actes sont en concordance. Peut-être que dans le passé, leurs paroles et leurs actes étaient en désaccord, etc., et qu'il y avait des choses, mais là, à ce moment présent, ils les ont guéris. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne a changé et puis se raviser plus tard parce qu'il y a eu ceci ou cela, dire bah, cette personne, elle n'a pas changé. Voilà. Donc, ça, c'est encore en liaison avec les peurs. Et n'oubliez pas que vos peurs attirent vos peurs. C'est-à-dire que si vous avez peur de ceci ou de cela, il va arriver réellement ceci, cela, puisque nous sommes des atomes vibratoires et ce que nous pensons, nous nous l'attirons. Voilà. Et donc, ça devient une réalité et notre vie devient comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des femmes, notamment, ou des hommes qui disent, bah, ils pensent vraiment que l'homme est infidèle ou que la femme est infidèle et qu'ils sont tous radins. Et quand ils ne comprennent pas que pourquoi ils attirent que des gens comme ça. Bah oui, je leur demande la définition de l'homme, c'est quoi? Bah c'est ça, ils me disent, ah bah voilà, ne vous étonnez pas d'attirer ce que vous pensez. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard, la vie est régie par les lois d'attraction et il faut apprendre à les changer soi-même. Et si on n'y arrive pas et on se heurte à un mur, bah, il faut faire appel à des gens comme moi, voilà, en webcam ou au cabinet. Et voilà, ou attendre que je vienne dans les stages dans vos régions, et vous pouvez devenir aussi des coordinateurs parce que là les dates commencent à se remplir. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à moi, et puis bah, je viendrai avec bienveillance vous enseigner tout ça. Et non, la vie n'est pas du hasard, la vie n'est que des synchronicités agrandies. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour à tous et le meilleur pour vous tous. Merci. Beaucoup d'amour.